Attendez, j'ai bien arrangé mon maquillage. Je vais vous faire une confidence. Nous sommes des personnes publiques. Donc, les propositions indécentes là, ça ne manque pas. Je vais vous faire une confidence. L'affaire de Dubaï là, j'ai échappé belle. Moi-même, j'ai échappé belle. Et ça, c'est quelque chose. J'ai gardé. Bon. Comme je ne suis pas partie, donc je n'ai pas trop considéré ça en fait. Donc je n'ai pas senti nécessaire d'en parler. Mais comme je vois maintenant que les dossiers sont en train d'être décrous, je vais vous faire une confidence. L'année passée, j'ai fait la connaissance d'un grand homme d'affaires à travers les réseaux sociaux. J'ai fait la connaissance d'un grand homme d'affaires. Je ne vous dirai pas de quel pays, mais c'est de l'Afrique en tout cas. Mais quel pays précisément, je ne vous dirai pas. Voilà. Et ce grand homme d'affaires-là, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Je ne le connais pas. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a eu à échanger. Voilà. Il m'a écrit qu'il aimait bien l'artiste que je suis, tout et tout. C'est une confidence que je vous fais. Il aimait bien l'artiste que je suis, tout et tout. Et vraiment, il aimerait un jour me croiser. Et je lui ai dit, moi, je ne me déplace pas comme ça, pour rien comme ça, en fait. Et puis surtout que je ne connais pas la personne. Quand moi, je me déplace, c'est pour des spectacles, des trucs comme ça. Et la personne n'a plus insisté. De temps en temps, cette personne me fait des vrais Western Union. Oui, je vous dis ça. Des vrais Western Union, des vrais dépôts. Je suis là comme ça et puis je reçois un message. Pan, pan. Western Union. 1 million. 2 millions. Cadeau, hein? Et puis, il m'envoie un message. Prends ça pour tes recharges, ton déjeuner, des petits trucs comme ça. Il dit, ah! C'est qui ça? Te connais pas, tu m'écris, tu veux m'inviter. Il dit, bon, me déplace pas comme ça. Ça du pas, tu me fais le Western Union, le Western Union. Beaucoup d'artistes, mais je sais que beaucoup d'artistes ont ce genre de propositions et puis reçoivent ce genre de. Je sais pas si on appelle ça des dons ou bien ce genre de dépôt, des transferts. Oui, transfert d'argent gratuitement comme ça. Parce que la personne vous kiffe. Ça, c'est arrive. Donc, ce monsieur, il m'envoyait l'argent. Après des 1 million, 1 million. Souvent, celui-là, ça vient 2 millions. Un jour, on va couper mon cœur, mais il m'a envoyé 5 millions. Il m'a envoyé 5 millions. Il dit, on peut aimer une artiste comme ça. C'est mon ou là même qui te plaît. Jusqu'à toi, tu as accordé tes 5 millions pour m'envoyer ça par Western Union. J'ai récupéré l'argent. J'ai appelé le numéro de la personne. Parce que comme on échangeait, après, j'ai fini par donner mon numéro, tout ça là. Donc, j'ai appelé la personne, j'ai dit, ah, vraiment, merci, merci, vraiment. J'ai reçu, il a récupéré l'argent et tout ça. Et donc, la personne dit, il va que je me tombe des pinceaux. Ouais. Voilà. La personne me dit, ah, que dis-moi, tu as quelle voiture? J'ai dit, ah, moi, j'ai une petite voiture, hein. Ma petite voiture grise que vous connaissez, vous avez écrit mon nom dessus, Vital. Ma petite voiture, mon petit Woro, me débrouille ça là. Il a dit, moi, il y a une petite voiture. Hein. Il dit, c'est quelle voiture? Je lui ai donné la marque de la voiture. Il dit, ok. Il m'a envoyé les photos des Range Rover. Il m'a envoyé des photos de différents modèles de Range Rover. Et puis, il me demande, choisis une dedans. Il dit, j'ai pardon, je n'ai pas l'argent pour payer une voiture. Il me suis dit que c'est un vendeur de voiture. Il dit, pardon, je n'ai pas l'argent de Range Rover. Oui, c'est assis, c'est la même petite voiture, la même. Son affaire, même, il n'est pas encore fini de régler. Donc, l'affaire de Range Rover, là, pardon. Il dit, non, 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 c'est un cadeau, je vais te faire pour ton anniversaire. Mon anniversaire passé, là. Il dit, c'est un cadeau, je vais te faire pour ton anniversaire. Il dit, Fadel Camara, faut laisser bouche là, pardon. Bouche ça, là, faut laisser ça, là. Il a piqué ma bouche, c'est normal que ça soit bizarre. Voilà, faut pas y aller ma bouche, faut écouter ce qu'il dit, c'est ce qui est important. J'ai dit, ah, cadeau d'anniversaire, Range Rover d'Abidjan ici là. C'est qui lui là même? J'ai commencé à avoir un peu peur. Il dit, ah,
dis tu kiffes l'artiste que je suis, tu aimes ma personne, tu m'envoies de l'argent, je prends, je bouffe. C'est pas de sa main, il me donne, ça passe par une banque. Donc quand tu récupères là, voilà, ça devient de l'argent pur. Si c'était main à main, il me donnait, là c'était inquiétant. Mais l'argent là, ça passe à la banque et puis je m'ai récupéré. Donc, c'est passé dans plusieurs mains avant d'arriver vers moi. Donc cet argent là, je peux le bouffer. Il n'y a pas de problème. Et puis je ne connais pas le travail qu'il fait. En tout cas, il m'a dit, il est grand homme d'affaires. Voilà. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai choisi le modèle de Range Rover que je voulais là. Je lui ai envoyé la photo. Oui, ça c'est fini là. Je lui ai envoyé la photo. Il me dit ok. Le soir, le monsieur m'appelle. Appel vidéo sur WhatsApp, je n'ai pas décroché. Parce que moi, quand je ne te connais pas, les appels vidéo, franchement, je ne prends pas. Je ne sais pas si c'est un féticheur, ouais. Si c'est marabout, ouais, tu as décroché net, voici fétiche, on met devant toi, comme ça, boum, tu as envoûté. Je n'ai pas décroché. Il a insisté, il a dit, écris-moi. Donc, il a préféré appeler. Parce qu'il ne voulait pas laisser les traces, je ne sais pas pourquoi. À part quand il fait les dépôts, tout ça là. Mais quand il veut parler d'autres choses, il préfère m'appeler normalement sur Internet. Donc, c'est comme ça, le monsieur me dit, ah, est-ce que tu peux m'accompagner à Dubaï pour une semaine? J'ai dit, à Dubaï pour une semaine? Pour faire quoi? Il dit, non, passer du temps, ça te permet de changer d'air, te permet de te reposer un peu. Je vais t'offrir ce voyage, en fait. Parce que tu me plais bien, je vois le travail que tu fais. Il dit, ah, ça me ferait vraiment plaisir de venir à Dubaï, mais c'est un peu chaud parce que là, j'étais en train de mentir, quoi. Me lever comme ça, partir à Dubaï, bon, j'ai du travail à faire ici et tout ça, ça serait un peu compliqué. Et puis, bon, on ne se connaît pas. Donc, venir à Dubaï comme ça, là, si elle doit venir, il faut que je vienne avec des personnes, c'est-à-dire que mon équipe. Sinon, venir comme ça, seul. Je ne vous connais pas, c'est un peu bizarre. Il dit non, 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 juste toi, pas besoin de venir avec tout un monde, je veux t'offrir ce voyage. En fait, le monsieur là, il ne sait pas quoi, il voulait m'emballer d'une manière là. Si tu es prêt seulement là même, tu es d'accord là même, je t'envoie ton billet première classe. Tu me dis même l'hôtel où tu veux dormir, je ne sais pas si tu connais Dubaï. Il dit Dubaï, il se partait à Dubaï une fois quand je dansais avec Mewi. Après ça, là, depuis, ils chantent là. Ils sont encore partis à Dubaï. Oh. Donc, avec des noms d'hôtels de Dubaï, je ne connais pas. Peut-être y aller sur Internet. Mais vraiment, pour l'instant, là, je suis occupé. Donc, je ne sais pas si je pourrais effectuer un voyage comme ça. Puis, bon, je vais voir. Il me dit, non, tu sais, tu me plais et tout ça. Tu sais quoi, Vital, je veux passer du temps avec toi. Le monsieur m'a dit ça. Je veux passer du temps avec toi. Ton prix sera mon prix. Ça fait gain, gain, gain. Il dit ton prix sera mon prix. Ha! Garçon qui te dit ton prix sera mon prix. Ça dit que il en te dit même que c'est le portier, comment dire, un porte-à-portier qui est là. Que ton prix sera mon prix, comment? Il dit, non, je ne sais pas, dis-moi ce que tu veux. Peut-être que pour te déplacer, tu vas te préparer. Tu vas peut-être vouloir faire des shopping ici. Donc, je ne sais pas. Tu vas te mettre mal à l'aise. Tu me dis combien tu veux pour pouvoir te déplacer. Voilà, pour venir te reposer ici à Dubaï. Tu me dis le prix que tu veux là. Tu me dis, moi, je t'envoie déjà la moitié à Abidjan. Et quand tu viens, tu donnes le reste. Tu vas faire tes boutiques, tout, 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 tout. En ce moment, on a fait des porte-à-porte, on ne connaissait pas où. Mais par mesure de précaution, j'ai dit, je ne vous connais pas, monsieur. Vraiment, merci pour l'offre. Mais je trouve que c'est trop pour moi, en fait. C'est trop pour moi. Et puis, en plus, entre nous, vous-même, vous voyez. C'est un peu flagrant. Boris, le 7e niveau. Non, je me justifie. Je suis en train d'expliquer quelque chose que j'ai vécu, en fait. Voilà, c'est pour dire que si j'étais parti à Dubaï, c'est ça l'on aime faire là-bas. Ben, je ne le connais pas, oh. Je ne l'ai jamais vu. Le monsieur, il ne l'a jamais vu. Il m'écrit, son WhatsApp là, il n'y a pas photo. Mais l'agent vient. L'agent vient avec nom. Non, mais c'est pas son vrai nom. Mais en tout cas, l'agent vient, je recevais l'agent là. Et c'est comme ça, il dit au monsieur que, ah, c'est qu'est-ce que je vais voir. Mais vraiment, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et c'est comme ça, il a laissé une semaine, deux semaines. Un jour, il m'appelle, il me dit qu'il est à Dubaï. Si je peux le rejoindre, on voit le billet.
que s'il va besoin de quelque chose, tout ça, il va m'envoyer l'argent pour faire mes achats, me préparer, pour venir me reposer un peu, tout et tout et tout, 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 tout. Je lui ai dit non, c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis un peu occupée et là, je ne peux pas faire mon voyage sur la France, tout ça, là, donc c'est un peu compliqué. Donc, il s'est un peu fâché du genre, je t'envoie de l'argent, je te fais des dépôts, je te fais des trucs, des petits cadeaux, et puis je t'invite. Genre, il a commencé à me parler un peu façon, j'ai un peu fâché, mais il se maîtrisait un peu. Et puis, c'est passé. Un mois après, le monsieur m'envoie un coucou. Un coucou. Je réponds, il me dit, ah, comment tu vas, ça fait longtemps et tout ça, je voulais avoir tes nouvelles. Je dis, ah, je vais bien, on dit quoi et toi? Il dit, non, ça va tranquille, mais c'est comment vital que je veux te voir, je veux passer du temps avec toi. Je te parle depuis mon affaire, mais tu ne me réponds pas bien et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que affaire où on te dit, il faut choisir Range Rover. Anniversaire est passé, Range Rover n'est pas venu. Range Rover là n'est pas venu. C'est fond d'éteint mis de mon visage. C'est pas caca. C'est pas caca qui est mon visage. C'est fond d'éteint. Lui qui demande, t'as mis quoi ton visage là? Range Rover là n'est pas venu. Anniversaire est passé. Et tu mets pas l'affaire des vitages. Tu me plais bien. Et c'est comme ça. J'ai commencé à éviter le monsieur là. Quand il m'écrit, mais qu'il fait. En tout cas, qu'il fait appel vidéo, je prends pas. Quand il m'écrit, je ne réponds plus. J'ai laissé le monsieur là comme ça. Oh. S'il était une envieuse jusqu'à là, quand il a dit ton prix sera mon prix, là. Il y a longtemps il a crié quelque chose là-bas. Il y a longtemps il me voyait dans Abidjan ici en train de rouler dans une grosse voiture, en train de rouler dans un Range Rover. En train de s'aller quelque part, peut-être ils ont pissé dans mon visage, même peut-être ils ont pissé dans mes narines, même peut-être ils ont chié dans ma bouche. Vous ne savez pas. Mais quand tu es bien éduqué là, quand tu as reçu de la bonne éducation de tes parents là, quand tu reçois des conseils un peu partout, de tes vieux pères comme Mewé, qui m'a donné des conseils, comme Mola, qui me fait asseoir souvent dans son bureau, puis qui me parle, Vital, fais attention, fais ci, fais ça. Quand tu as ces personnes autour de toi, là, tu fais beaucoup, beaucoup attention à ces gens d'offres. À ces gens de vieux pères qui viennent vers toi. 5 millions, les gosses sont facilement comme ça, tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus. Sinon, il y a des gens ici à Abidjan qui font des dons, qui font des gestes, qui soutiennent les artistes, mais on les voit, on les connaît, voilà, c'est compréhensif. Mais toi, je te connais pas, je t'ai jamais vu. Tu dis que tu es grand homme d'un pays là-bas. Bon, il sait que c'est en Afrique ici, je sais le pays, mais je vais pas vous dire. Voilà, c'est un gars mais qui voulait se présenter comme président d'un pays ici en Afrique, voilà, mais je vais pas vous dire son nom. Ça va rester comme ça. Et c'est comme ça, le monsieur là-même là, je l'ai bloqué, je l'ai bloqué. Et Dieu merci, cette affaire de porte à porte là, voilà que ça fait bim. Et tout le monde voit. Donc imaginez, si j'étais attiré par les belles choses, les sacs de MAC, les chaussures de MAC, les vêtements de MAC, les choses de luxe, je voulais faire des photos à Dubaï, dans les grandes chambres d'hôtel, dans les vrais trucs. Il a dit, voici, opportunité. Quelqu'un qui me donne l'argent, je ne lui ai rien demandé, il me fait des dons, il m'envoie des millions gratuitement, qui me demande de venir à Dubaï pour me reposer. Moi, il m'en vais. Je m'en vais me reposer et puis on me donne l'argent encore pour ça faire shopping. Je m'en vais. Si j'étais envieuse, j'étais partie. Allez là, peut-être c'est ma vidéo mais qui allait défiler. Par exemple, moi je suis artiste. Peut-être c'est ma vidéo là qui allait défiler sur la toile comme exemple d'abord de porte à porte là. Donc mes soeurs, ne soyez pas envieuses jusqu'à. Nous les artistes, nous les personnes publiques là, c'est nous là même. Ce genre de choses là, on est, comment je dis ça même. Ce genre de personnes là viennent toujours vers nous. Parce qu'ils sont attirés par les étoiles. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais vous comprenez en tout cas. Voilà. Donc, faisons très, très attention. Sachons avec qui nous parlons. Sachons avec qui nous sortons. Sachons avec qui... je vais dire quoi même. Ouais. Nous causons, nous échangeons, nous faisons les choses. Les choses, évitons de se laisser aller, évitons de se laisser emporter par l'envie, par le goût de luxe, surtout. Le goût de luxe, restons tels que nous sommes. Vivons avec le peu que nous avons. Vivons avec le minimum que Dieu nous donne. Vivons avec, je ne sais pas comment je vais dire ça même.
Ce que Dieu te donne là, c'est ça qui est pour toi. On ne va pas dire que je suis plus jolie que celle-là. Pourquoi elle a ça? Moi, je n'ai pas ça. On ne dit pas ça. Pourquoi elle est plus jolie que celle-là? Elle, là, elle roule dans une grosse voiture. Pourquoi c'est ma voiture, non? Pourquoi c'est ma voiture, non? C'est une petite voiture grise comme ça qu'on m'a offert lors de mon buzz de mariage, là. Mon buzz de mariage, mon bébé, là. Ça a bien sûr m'a offert ça. C'est un tonton, là, un vieux père, il est ici. Il le connaît. Lui, là, il le connaît. Il m'a offert l'argent pour acheter ma petite voiture. Qui a fait mon buzz de mariage avec Momo Wang, là. C'est comme ça qu'on m'a offert ma petite voiture, je roule. Ma petite voiture grise, je roule, là. Voilà. Ces gens de tontons là, eux là, tu les vois, tu les connais, ils ne vont pas te demander quelque chose. C'est les vieux pères, ils aiment non. Ils te font cadeau, tu chantes leur nom, voilà, tu leur donnes point. Ils ont leur anniversaire, ils ont leur mariage, ils ont leur soirée, ils t'appellent. Tu vas les rendre grands, il n'y a pas fait de cachet entre vous, ça fait des vieux payards. Voilà, ces gens de tontons là, que Dieu les bénisse. Voilà, que Dieu les bénisse. Maintenant, les gens pervers, mystiques, qui se cachent derrière le nom des fans, quand je suis fan, et puis qui veulent t'attirer dans leur sale besogne, là, faisons attention. Et quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner, comment on dit ça même, quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner la sagesse, et puis, comment on dit ce mot-là même, vous permet de pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Je ne sais pas comment on appelle ça même. Priez beaucoup. Et puis demandez à Dieu de vous permettre de pouvoir faire la part des choses. Que votre sixième sens vous parle. Que Dieu vous mette toujours sur le bon chemin. Que Dieu vous mette toujours sur la voie des bonnes personnes. Que Dieu vous éloigne des mauvaises personnes, des personnes sadiques, c'est comme ça on dit, non? Des méchantes personnes, des personnes mystiques, des personnes sales. Que Dieu vous éloigne de ce genre de personne. Quand vous priez, dites ça parce que on ne sait pas qui est qui. Même l'homme que tu vas épouser, il y a des hommes qui sont très malins. Voilà, le discernement. Merci Linda et le discernement. Voilà. Quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner le discernement. De savoir faire la part des choses. De savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. De savoir faire la part des choses. Demandez ça toujours à Dieu dans vos prières. Et aussi la sagesse. Et puis que Dieu vous donne le dégoût de l'envie. Parce que l'envie peut vous amener à faire du n'importe quoi. Quelque chose que toi-même, tu ne pensais même pas un jour pouvoir faire. Mais tu seras un jour devant le faire comme ça. Et puis tu seras obligé de faire parce que tu veux acheter une grosse voiture. Parce que tu veux acheter des choses de marque et tout. Et tout. On n'a qu'à te regarder que toi. On n'a qu'à te voir que toi. Tu veux briller seul. Priez beaucoup. Dieu n'a pas à vous mettre sur le bon chemin, c'est tout. Priez pour que Dieu bénisse les œuvres de vos mains, les œuvres de vos esprits, vos activités, que Dieu bénisse vos familles, pour que vos familles n'aient jamais honte de vous, que vos familles ne soient jamais déçues de vous. Le phénomène de porta poti là, vraiment c'est quelque chose de déplorable, de triste, de honteux. De honteux pour le monde, parce que c'est pas que les Africaines qui font ça, ni les Africains qui font ça, il y a aussi les Européens, les Asiatiques aussi qui font ça. C'est tout le monde qui fait ça. Vraiment que Dieu nous donne la sagesse et le discernement. Que Dieu nous guide et nous dirige sur le droit chemin. Que Dieu nous protège contre le mauvais œil. Voilà. Que Dieu nous protège contre le mauvais œil. Moi, Vital, j'aime l'argent. J'aime saper. J'aime le bling-bling. J'aime le matu vu. Mais je sais à qui je marche. Je sais à qui je vais. Je sais ce que je fais. Voilà. Donc, faisons attention aux actes que nous posons. Faisons attention. Oui. Donc, c'était un peu ça. Il fallait que je vous parle aujourd'hui. Et parce que depuis, je voyais les posts des gens, je voyais les vidéos, je voyais tout. Je voulais parler, mais je préparais mon petit spectacle et tout et tout. Et donc, je ne veux pas me mettre dans ça d'abord. Je dis que je vais finir mon spectacle tranquillement et puis en parler à faire des beaux d'emploi bas. Mes soeurs, travaillez. T'as ton petit chéri qui te donne les 5 000 et 10 000, il faut prendre. Moi, mais mon gars m'a donné un 5 000. Mon gars m'a donné un 5 000. Il dit, aïe, on peut faire ça. Donne 5 000 faire son artiste. C'est une star, hein. Il a commencé à rire. Donc, c'est pour vous dire que ce que Dieu vous donne là,
peiné. Maintenant, vous aussi travaillez, complétez. Voilà. Donc, c'est comme ça. Merci à toutes ces personnes qui m'ont suivi. Merci à toutes ces personnes qui m'ont donné des étoiles et tout et tout. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Et mes soeurs, voilà. Ne pensez pas que moi, je porte les trucs de Mac. Hein. J'ai quelques affaires de Mac quand je vais en Europe. Je paye, mais je paye un peu, un peu. Il y a des moyens d'avoir des choses de Mac, mais paye un peu, un peu. Tu payes aujourd'hui. C'est-à-dire que tu connais le commerçant, mais tu connais la commerçante. La marchandise est chez la personne. Tu payes un peu, un peu. Même les mèches qu'on porte là. Souvent, on paye un peu, un peu. Tu vas porter mèche 500 000, 600 000. Tu vas penser qu'on paye ça un coup. Non. On paye un peu, un peu. Tu peux payer 200 000, 300 000. Après, tu payes 100 000. Après, tu payes 50 000. Quand tu finis de payer, tu récupères le produit. C'est comme ça. Même les portables, téléphone portable aujourd'hui là. On a nos bons petits qui vendent les trucs à côté. Quand on a besoin d'un téléphone, on l'appelle. Tel téléphone est combien? Ils disent, ça fait 500 000, ça fait 1 million. On dit, ok, tiens, avance 200 000, mais 300 000, mais 500 000. Le téléphone est lui là-bas. Mm-hmm. Le téléphone est lui là-bas. Et puis maintenant, le jour où tu as ton argent, tu finis de solder, tu vas te récupérer ton produit. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas d'urgence en fait. Il n'y a pas d'urgence pour aller vendre son âme. Il n'y a pas d'urgence pour perdre son âme. Pour vendre son âme. Faut pas être envieux. Si moi j'étais envieuse, envieuse, aïe, en tout cas le monsieur vous l'a dit, toute la partie vous l'a dit. Voici les voitures là. Range vos verres. Faut choisir un modèle. Déjà, j'ai offert ça comme cadeau d'anniversaire. Il dit c'est qui lui là? Il y avait hey. Et montant mon manager dit yeah, c'est qui lui là? Le monsieur l'a élevé. Moi-même le jour il 5 millions, il me dit Adam, c'est qui ça? On peut faire ça 5 millions chaud comme ça? Et puis, il était en galère. Oh, il a pris 5 millions pour moi. C'est pas ta poti. Il n'y a pas de maïe caca comme ça. Pas de maïe caca d'un Africain. Pas de maïe caca dur, rempli d'haricots. Ou bien de maïs. D'un Africain qui n'est pas là-bas. On peut faire ça. Et elle est bloquée. Voilà, il n'a qu'à aller se promener avec nos filles à Dubaï. Je ne sais pas les dents. Moi, en tout cas, je ne te connais pas, il ne marche pas à toi. Je ne te connais pas seulement, il ne marche pas à toi. Les invitations où on ne se connaît pas, puis tu m'invites là, c'est pas dedans. Il ne sait pas aller chanter. Tu m'as mon billet. On signe le contrat. Mon staff et moi, on s'en va. Tout est défini sur mon contrat ici. Je prends mon avance. Le lieu du spectacle, je fais une vidéo de confirmation. Je mets chanter. J'ai fini. Je rentre chez moi à Abidjan. Voilà. Mais il ne te connaît pas, c'est quelle vacances? Si les vacances, il m'a assigné. Aïe! Il y a paradis sur terre, en Côte d'Ivoire ici. Si elle me reposait là, les vacances, il m'a assigné. Il y a Jacquesville qui est là. Il y a Jacquesville qui est là. Si tu trouves pas chez moi en France, aïe. On a visa, c'est là. C'est dans nos passeports. Visa ou billet d'avion, c'est quoi? Il y a billet d'avion, appelle Makoso. Aïe! Mon général, mon amour. Mon papa, il est parti en France, il a bien un billet d'avion. Ma cousine va me donner. Aïe. Je suis trop fâché, appelle Mola. Papa, il est parti en France, mais c'est sous coup, c'est mort. Il n'y a rien. Pardon, offre-moi un billet d'avion. Va me donner. C'est trop compliqué, appelle mon parrain, Akou Augustin. Deux ans consulting. Parrain, c'est comment? Il est parti en France, il a bien un billet d'avion. Papa, il est première classe. Les Ivoiriens se moquaient de moi, on dit que je voyage en classe économique ici, artiste Mbarakata. Papa, il est première classe. Aïe. Dieu va faire pardonner. C'est comme ça. Soyez humble. Soyez simple. Soyez gentil. Soyez bon. Ayez un cœur blanc. Dieu va mettre des bonnes personnes sur vos routes. Des bonnes personnes qui vont vous aider avec le cœur. Voilà, les personnalités là, dans notre pays ici, ils nous aident, ils ne nous demandent pas quelque chose en retour. Ils ne demandent pas quelque chose en retour. Tu vas les voir, monsieur le ministre, papa l'ambassadeur, maman la directrice, pardon, et ta fille, tu fais ton petit atalakou devant eux. Ces choses, ta fille, hein? Ta fille est moisie, c'est lourd. Pardon, maman, faut sciencer. Mais pardon, papa, faut sciencer.
Ils vont les lampes te donner. 5 millions, c'est quoi? Et pour moi, check, mais c'est pour moi, quoi? Vous voulez pas de mes caca avec? Non. Dosez, messieurs, dosez. Ceux qui ont fait ça là, pardonnez, n'avez plus répondre encore. Ceux qui ont fait ça là, ceux qui ont fait mes caca là, pardonnez, n'avez plus là-bas. Un inconnu t'invite dans un pays pour aller te reposer, pour passer vacances, il faut dire non. Ils vont aller vous sacrifier. Un inconnu t'invite en voyage d'un pays quelque part là-bas. Tu ne le connais pas. Il faut éviter. Il est trop fâché. Il n'a qu'à venir ton pays ici. Tous tes parents vont le voir. Tous tes amis vont le voir. Ce qu'il veut te démontrer, il n'a qu'à démontrer tout ça en voix. Sinon, il va être sacrifié. Si c'est boss, vous voulez, mes soeurs, il y a boss à bien ici. Et puis on parle là, mais on parle que de Dubaï seulement. C'est pas Dubaï. C'est pas Dubaï seulement que les gens font ça là. Ils font ça partout. Hein. Donc évitez d'aller au rendez-vous des inconnus. Évitez. Évitez même. Josiane Dabiré, Odia, c'est maquillé. C'est eux depuis la courant n'est pas encore venu. Hein. Courant n'est pas encore venu. On peut faire ça. Courant n'est pas encore venu. Donc si je n'ai pas connexion là, il faisait comme pour faire mon direct là. Si je n'ai pas connexion. Vous voyez comment femme souffre. Femme souffre pour être belle. Hein? Être femme là, c'est un travail. Hein? Ils m'ont eu de... Direct dans le noir. Heureusement que mon ventilateur soleil. Il est transpiré dans la chambre là. Donc c'était un peu ça, oh mes soeurs. Vraiment, on est dessus par toutes les images qu'on voit sur les réseaux sociaux ces jours-ci. On est vraiment dessus. Coucher les animaux. Manger caca. Boire pipi, la paix son vomi. Vraiment, c'est que des toupes de gueule on voit sur la toile ces temps-ci là. Buzz est mieux que ça, hein. Voilà, il buzz est mieux que ça, hein. Ah. C'est quoi ça là? Même clash même est mieux que ça là. On peut mailler son popo comme ça. Manger caca dur, caca vert, caca sec, caca noir, caca jaune, caca blanc. Ça me fait mal. Ça me fait mal même. Moi-même, là, même, je vais aux toilettes, même, là, même, là. Quand il finit, je ne vais même pas aller dans le WC, là, même. Parce que l'odeur, même, me dérange. Moi-même, là, mon propre popo. L'odeur, même, me dérange. Je ne supporte pas, même, l'odeur. Aïe! Quand mon enfant, même, chie ici, parce qu'il crie dans la maison, ici. On dirait que moi, je ne chie pas. Pour dire, y aller, pour y aller. Mon gars, si toi au fond de toi, le jour où tu vas te tromper pour me dire que non, faut laper dans mon cul, ou bien faut mettre ton visage, il y a pété ton visage. Scandale, il y a créé dans la chambre là, jusqu'à tout le quartier va sortir pour nous regarder. Donc, mon chéri, tu me regardes là. Faut pas te tromper même un jour. Pour dire que tu as lâché dans mon visage, ou mettre à me dire qu'il y a lapé dans ton cul. On va nous regarder dans le quartier ici. C'est comme ça que vous commencez. Petit lap dans mon cul, car après ça devient maintenant où vient chier dans ta bouche. Faut essayer. J'ai vu mon coupé décalé là, je m'en sors. J'ai la première facture. Faut venir mettre ton cul noir dans ma bouche, qu'il faut laper dans mon cul. Il fallait que je parle fort aujourd'hui. Il fallait que je parle fort aujourd'hui. Eh, c'est, il n'y a pas couru, il ne connaît pas mes pinceaux même. Oh. Hein, La Rochelle Gaïa, caca sec, caca frais, caca fumé, mon cher. Caca de shawarma. Hein, caca de sandwich. Caca de viande de brousse. Caca de haricots. Caca de maïs.
D'autres m'aïe nyomi. On me chie. Ta m'aïe. En tout cas, mes soeurs qui sont parties une fois et puis elles ne savaient pas que c'était de faux types là. En tout cas, évitez les inconnus. Évitez les inconnus. Issa Wodago, il ne quitte pas ton chéri comme ça. Si, il a crié sur lui. Il a crié sur lui. On ne sait jamais. Peut-être qu'il a des fréquentations bizarres dehors. Un jour, on sera là-haut. Cric, 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 cric. Le goût va monter d'une manière. Bébé, lave de mon cul. Bébé, lave de mon cul. Il y a mes doigts là-dedans, un ongle là. Qu'on fourre. Il va aimer. Bébé, lave de mon cul. Il y a mes ça là-dedans. Qu'on fourre. Tout le quartier va nous regarder. Tu veux faire l'amour? Fais l'amour en quittant ici. C'est quoi qu'il lave de mon cul? Oh, là, pour mon cul. C'est mon doigt et ongle là qui va rentrer dans ton cul. Caca qui sent ton cul. C'est pas si tu as chié avant de venir. Wa. Tu n'as pas bien nettoyé ton cul et mettre ma langue et puis voilà caca qui a sorti. Pardon. Ça commence dans la langue et puis après ça arrive dans. Ça arrive dans ouf, verser là, il est chié. Là. À cause de combien même? À cause de combien? Là en salle. Mon cher, Roukaska, c'est mieux. De... Coupé décalé, mon coupé décalé fait là. C'est 100 millions de fois, 100 milliards de fois mieux. Que tu avais lâché dans mon visage. Tu es pété, tu te mets là-bas, tu pètes. Mais tu pètes dans ton coin là, faut pas y avoir dedans. Mais tu as dit que bébé, demande ton visage, il est pété dedans. C'est que la mousse là. Donc, partez voir vos marabouts, faire vos trucs. Si nous, si les enfants des gens, vous voulez tester vos sorcelleries là. Que bébé, si tu m'aimes, il faut dans ton cul et la paix. Et demain, si tu m'aimes, il faut la paix mon cul. Envoie. 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 Envoie cul là. Vous avez des questions, vous avez des questions. C'est maladie, va ma soeur. Marie. Oh, Seigneur Jésus. Mes amours, donnez-moi les étoiles, non? En cause, non? En cause, mais il y a la vérité dedans, en fait. Il y a la vérité dedans. Il faut qu'on parle à nos soeurs, à nos jeunes frères, là. Eh, tout le monde veut des stars. Tout le monde veut des stars. Tout le monde est dans à faire des matures vues. Tout le monde veut briller. Tout le monde veut briller. Vous pensez que c'est comme ça on brille? Hey. On travaille dur, hein? Nous là. Pourquoi on dit vital là? Vous connaissez les injures que je reçois tous les jours ici, non? Sur le plateau télé, on m'a humilié ici. Vous tous, vous avez vu. On m'a humilié ici. Traité mon travail de merde. On m'a insulté ici. Mais ici, dedans, il persiste. Et on dit, c'est un forgeron, on dit un forgeron. Je persiste, je travaille, je continue de travailler. Je connais mes limites. Je travaille toujours. Pour que mon travail me permette de me mettre à la. Me trouver une place au soleil. Quand tu travailles dignement là, ton cœur ne bat pas où? Quand tu travailles normalement, dignement, ton cœur ne bat pas. Souvent, tu es moisi. Je ne dis pas que quand tu travailles normalement, tu vas jamais être moisi. Tu vas être moisi. Mais moi-même, souvent, il y a 1000 francs dans mon sac. Mais il y a 10 000 dans mon sac. Mm-hmm. Mais si tu me vois en ville, là, tu ne sais pas où.
Ben, le Jean était montré, mais t'as dit, hé, hey, Vivi, là, on dort chez elle. Le Jean était montré dehors, là. T'as dit, ah! La Bigue Vita l'a porté, là. Ah, d'a coûté cher. Attends, il a payé ça à Coco Vico, hein. Coco Vico, là, tu vas me voir là-bas, tu n'es payé à billet, mais il envoie les gens pour aller payer. C'est quoi ça, hein? Je paye, il paye, il lave. Il met au pressing. On parfume ça bien. Quand il porte la même, toi-même. Toi-même que tu as vendu, tu le payes, tu doutes de. Tu dis, elle, c'est mon habit qui est vendu là, qui est vite à la côté là. Ils vont dire, c'est ça, toi-même, tu ne crois pas. Mais tellement il a porté habit là, non. Tellement j'ai porté habit là. Bon, j'ai placé mes fossiles là. Enfin, je vais mettre le crayon là. Tellement j'ai porté habit là, mais toi-même, tu as dit, c'est pas mon habit là, peut-être pour elle, c'est l'original. Tu vas douter de ton habit alors que c'est ton habit à porter. C'est ça. Moi-même, je me maquille un peu, hein. C'est quand j'ai les grandes sorties là, j'appelle Bella. Ou bien j'appelle Nadoria, son Altesse. Ou bien j'appelle docteur du make-up. Se maquiller derrière nous n'est pas facile. De... Je souffre même. Je ne suis pas bien. Porta poti. Porto porto. Pata pata. Bouche WC. Mais bouche quoi là-bas. On peut faire ça. Là, tes parents t'ont mis au monde pour devenir toilette publique. Quelle désolation pour ta famille. Quelle tristesse. Quelle humiliation. Tes parents ont perdu leur temps pour rien. Quel maquillage me fait dans le noir ici à même. Ici, c'est un peu long. Sérieux, jusqu'à présent, pour la force d'un partenaire à votre service, nous avons changé de slogan maintenant. Ça, c'est trop long. Ici, là, c'est bien fait, mais ici, là, je ne sais pas si vous pouvez rattraper. Hein. Est-ce que je pourrais rattraper? C'est toujours long, hein? Mais c'est joli, on dirait. Kofi, Roselyne, tu sais quel maquillage tu fais? Il était dit. Ah, moi, il paye à bien Coco Vico, hein? Souvent, il passe ma voiture là, hein? Ma petite voiture, mon nom est écrit dessus. Souvent, il passe là, mais à cause des jeunes, là, les enfants, là, quand ils passent, ils viennent se coucher sur la voiture. Donc, ça fait que je répète mes trucs, je vais garer quelque part, puis j'envoie une de mes nièces ou bien mon manager ou bien mon assistant. Dit, Abis, ça la va, tu portes ton téléphone, tu fais appel vidéo, tu montres, je choisis la taille, tout, je regarde, et puis on discute le prix, et puis je donne l'argent. Et puis voilà, je prends. Même à Djamé, aïe, moi souvent je vais à Djamé, au Kaolin, pour payer tissu. Au Kaolin, pour payer tissu. Je me camoufle, mais les jeunes là. Non! Ils vont tout faire pour me reconnaître. Tiens! Je peux mettre ici. Hein? Je me camoufle jusqu'à. Hey, mon maquillage a déjà. Hey! Maman Nangaï. J'ai fait ma bouche. Mais soeur, travaillons, travaillons. Même si on se moque de toi au quartier, c'est pas grave. Donc, laisse pour toi à Dieu. Fais comme Vital. Prenez exemple sur moi, non? Aïe! Ha! Moi, c'est un exemple, hein? Moi, je suis un exemple même. Parce que, faut voir par quoi je suis passé pour être là, là. Et puis, j'ai toujours la tête sur les épaules. Aïe! C'est quelle humiliation, moi, j'ai pas vécu.
Vous aussi. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais... Voici un exemple, hein. C'est parce que tu es belle que tu n'as pas travaillé. Covita, tu es vieille. Tu remis ton cul sur moi. Oui, oui. J'ai remis mon cul. Je vais remis mes fesses aujourd'hui. Je vais remis mes fesses demain. Je vais remis mes fesses après demain. Tant que j'ai la force de remis mes fesses, je vais remis mes fesses. D'ailleurs, mon nouveau son macho qui ont remis fesses. Fort. Remuer fesses et puis manger ce qui sort des fesses là, qu'est-ce qui est bon? Remuer fesses et puis manger ce qui sort des fesses là, qu'est-ce qui est bon? Remuer fesses, c'est bon. Moi, moi, j'ai remis. Amambe, amambe, ma poche, okanamazakai, mamoudou, okanamazakai, ma, okanamazakai, okanamazakai. C'est mieux. Matin, matin, bon, matin, il tourne rien. Matin, matin, bon, matin, aïe, j'ai tourné mes reins, j'ai tracé, j'ai fait rouler d'avant, rouler d'arrière. J'ai gagné mes 500 000, mes millions, ma maison, j'ai fait mes calculs, paye le loyer, les factures, voilà. Courant même, on n'utilise même pas bien, mais on paye facture. Toujours on coupe courant sur nous, mes factures viennent. Si vous voulez là, insultez-moi que j'aboie sur le micro. Je ne vaux rien. Je ne sais pas danser. Hein? Je suis limitée qu'à remuer mes fesses. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je préfère que manger odeur de quelqu'un. Manger les excréments de quelqu'un. Bouge ça là, yo, vu ça comme ça. Et puis il va chier dans pro. Pro. Ah! 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 Où va le monde? C'est mieux d'avoir des parents, hein? Ah. Les parents, là, y a pas poti, pota, pota, poti, de pour eux. Les filles, pour éviter que vos rouges à lèvres laissent des traces sur les verres ou sur les tasses et trucs, quand vous finissez de vous maquiller, là, vous prenez voilà le papier mouchoir comme ça, vous faites ça, vous voyez, voilà, quand c'est comme ça, quand tu bois, tu fais quelque chose, ça reste pas. Tu fais bisou à quelqu'un, ça reste pas ici. Il y en a qui font bisou, bouche rouge reste là, mais ça reste une chemise des gens pour créer problème aux hommes là. Comme ça on fait. Au bébé, si tu m'aimes, faut la paix dans mon cul. Faut plus être aimé même. Bébé, si tu m'aimes là, si tu m'aimes tant là, comme tu l'as dit là,
faut la paix dans mon cul. Faut plus tu as m'aimer. Faut me laisser, faut me jeter. Faut me jeter, faut plus m'aimer. Quand on finit ça, on donne les narines, hein. Souvent, on éteint, reste dedans. Ah, il reste un peu, d'autres vont manger mauve. Bon, je pense que j'ai fini, hein. Nettoyer un peu le fond d'été, là. Eh, le courant, là, aussi, il ne vient pas depuis, là. Ah oui, je dois mes fossiles. Ça vaut la peine de mes fossiles, même. Ah, aurait mieux fait, c'est mieux. Hein. Ça, là, il y a mis hier. C'est ça que moi, je mets. Partagez le direct, mes amours. Oh. On cause, non. Il n'y a rien de méchant. On cause, on parle entre nous. Voilà. Ah, tes parents t'ont mis au monde, c'est pas aimé caca. Toi est bien où? Maintenant, on dit qu'il y a une liste qui est sortie, il y a 8 ou bien 7 artistes là. C'est quel artiste ça? Moi, je suis pas là-bas, hein? Moi, je suis pas parti là-bas, hein? Moi, je suis parti à Dubaï là. J'étais danseuse de Mewé, on est parti à Mewé. Tout le zoo gang, on partait quoi, où même? En Israël ou bien en Inde là? Après, on a fait escale à Dubaï. On a passé une nuit là, et puis le lendemain, on est parti. Voilà. C'est tout, hein. Donc là, on dit qu'il y a 7 ou 8 artistes ivoiriennes qui sont dedans. Donc, dis les noms, hein. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis assise ici, là. Je me cherche très fort. Mais dix fois. Je gagne là. Ça me suffit. Au moins, chaque fois, je me paie mon loyer. L'hôtel de maison, on va venir m'humilier chaque fois. Quand il prend mes tout crédit au dehors là-bas, là, je te dis en même temps, il paye un peu. On s'entend. Et puis, il paye un peu. Voilà. Le jour, il y a l'argent, il vient payer. Le jour, il y a un peu, il vient payer. Le jour, je n'ai pas, tu m'appelles, il dit, je n'ai pas. Il t'a déjà dit, il paye un peu. Donc, allons doucement. Tu ne veux pas te plaindre, il t'a dit que j'ai payé un peu. C'est quand tu dis, il y a l'argent, il est prêt, bien, tu prends, tu vas payer, c'est là, il y a un problème. Quand il t'a dit, il paye un peu, il paye un peu, il donne avant, il paye un peu. Tu n'as pas. Moi, j'ai beaucoup. Moi, les histoires de marques, ça ne m'intéresse pas trop. Sac de marque, les bijoux chers, les tout chers. S'il y a l'argent que je peux me faire ce plaisir, je le fais. Mais s'il n'y a pas l'argent là, moi je prends à peu près. Je suis devant. Tiens. Ça va pas être star que tu es obligé de porter forcément des choses de grande valeur si tu n'as pas les moyens. Quand tu as les moyens, tu peux te permettre certains luxes. Voilà, mais tu n'as pas là, tu fais comment? Si on t'a fait cadeau, tu prends. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, il te dit que tout le monde dans tel pays, tu as te reposer, pourquoi? Mais attends que mes cils sèchent, je vais mettre. Et les ongles, là, pas facile. Il est quelle heure, jusqu'à présent, le courant n'est pas encore venu. On va rester dans le noir comme ça aujourd'hui. Ah, moi, j'ai sorti, hein. Mes amours, donnez-moi des étoiles, non. Vous êtes restés là à m'écouter. Vous avez oublié de m'envoyer les étoiles.
Vraiment, merci à mes vitamines qui étaient là hier, au chaud hier, là. Vraiment, j'ai aimé. Qui m'appelle? D'où l'argent m'appelle? Si on dirait tes boss. Pas décroché ou si on dirait. Ça, quand ça tombe dans l'œil, quand ça brûle. Et si faut la future femme de quelqu'un. Comment? On peut être forte comme ça. Le courant est revenu chez vous? Hein, mes amours? Est-ce que le courant est revenu chez vous? C'est bon? C'est bon? Voilà. Ah, oh, c'est trop faute. Oui, c'est bon. Courant là, faut voir chez les voisins. Hein. C'est coupé aussi là-bas. Aïe, ça a duré là. Là, elle met la bougie là. Les deux paquets là. C'est un paquet qui est payé. Yeah! Adama! Donc, il fallait qu'il n'y ait pas de bougie. Est-ce que les signes sont pareils? J'ai pensé que si là c'est. Enfin, le courant est venu. Ici là c'est pas. Ah, c'est même si là. Là c'est bien rembourré là. Couper courant comme ça. Bon, mes amours, voici mon petit maquillage. J'ai fait dans le noir. Hein. Voilà. Je vais me promener. Je m'en vais me promener. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Voilà, c'était un plaisir. Alors, mes jeunes sœurs, mettez-vous au travail. Travaillez sur le travail payé. Dieu vous bénisse et soyez sages.